Donc, bienvenue à cette séance extraordinaire pour le budget en date du 13 décembre 2022 pour l'année 2023. Donc, la section 1, ordre du jour au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. Que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. La section administration, section 2, administration générale, greffe, affaires juridiques, il n'y a rien. La section 2, ressources humaines et relations de travail. La section 3, finances et technologies de l'information. Adoption du budget pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023. J'ai un petit mot. Chers concitoyens, chères concitoyennes, merci d'être avec nous pour cette séance extraordinaire concernant l'adoption du budget 2023 et le programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025. La présentation du budget se déroulera en trois parties. Je vous présenterai les faits saillants du prochain exercice financier. Ensuite, Mme Claudie Boutin, directrice des finances et des technologies de l'information, donnera les détails sur le contenu du budget d'opération. Finalement, nous répondrons aux questions du public. D'entrée de jeu, il faut mentionner que cet exercice budgétaire a été réalisé avec une grande préoccupation. Du contexte économique actuel, où l'inflation générale et l'augmentation du coût de la vie impactent le portefeuille de tous les citoyens et des organismes publics, incluant les municipalités. Bien que notre administration ait agi avec rigueur dans cette préparation budgétaire, en rationalisant les dépenses d'opération, la Ville doit toutefois éponger des hausses de coûts dans plusieurs secteurs. Le budget 2023 s'élève à près de 17 millions. Pour une maison d'une valeur moyenne évaluée à 388 500, la variation du compte de taxes est de 267, ce qui représente une augmentation totale de 7,8 %, incluant taxes et tarifs. Madame Boutin vous en parlera sous peu. Pour les dépenses, La croissance s'explique par des différents facteurs qui sont, entre autres, l'inflation générale qui oscille à 6,9 % au Canada pour la période d'octobre 2021 à 2022, la majoration du taux d'emprunt pour lesquels le coût réel moyen est passé de 1,53 % en 2021 à 5,54 % en novembre 2022, ainsi que les hausses considérables des quotes-parts auxquelles la Ville doit souscrire. En plus de maintenir des activités connues et appréciées telles que la journée de l'arbre, le marché public, le marché de Noël, la Ville présentera des nouveautés qui viendront augmenter les services offerts à la population. À titre d'exemple, du côté des loisirs, vous pourrez profiter d'ajouts aux heures d'ouverture à la bibliothèque et à compter du 1er janvier, il sera dorénavant possible de participer aux activités du complexe aquatique de Saint-Constant, et ce, au tarif résident. Pour les services municipaux, des sommes sont versées pour l'amélioration et l'entretien des infrastructures et des équipements, ainsi que pour assurer la sécurité des systèmes internes. Les présentations de ce soir seront disponibles sur le site Web de la Ville et une brochure d'information sur le budget sera envoyée par la Poste avec le compte de taxes en janvier. Au nom des membres du Conseil municipal, je vous remercie de votre participation à la vie municipale et j'inviterai Mme Boutin à compléter par une présentation plus détaillée. Et merci beaucoup. Donc, bonsoir. Aujourd'hui, on vous présente un budget de près de 17 millions de $, soit une hausse de 1,4 million.
Les principales variations au niveau des revenus sont l'augmentation de notre richesse foncière, l'augmentation du nombre de logements sur notre territoire, ainsi que l'augmentation de nos revenus de subvention. Donc, si on regarde les catégories plus en détail, au niveau de la taxe foncière, on a une augmentation de 896 000 due à l'ajout des nouvelles propriétés sur le territoire et une augmentation du taux de taxation. Au niveau de la tarification, une augmentation de 462 000 due à l'ajout de logements sur le territoire et à une augmentation des tarifs en lien avec l'augmentation des coûts de ceux-ci. Pour les services rendus, une augmentation de 17 000 $ pour des montants qui sont refacturés soit en quote-part ou en revenu de location. Pour les autres revenus, on a une diminution de 55 000 $ qui s'explique par des revenus de permis budgétés moins élevés qu'en 2022. Pour les subventions, des revenus qui sont plus élevés qu'en 2022 de 97 000 $ notamment pour la compensation de la TVQ et les matières résiduelles. Quand on regarde la ventilation de nos revenus, donc on remarque ici que les revenus de taxation sont notre principale source de revenus avec 63 %. À cela, on ajoute la tarification, 13 %, pour un grand total de 76 % de nos revenus, donc près de 13 millions de $ sur nos 17 millions de $ de revenus qui sont attribuables à nos taxes et tarifs. Les autres revenus, notamment les droits de mutation et le revenu de permis, représentent 11 % de nos revenus. Les services rendus, entre autres revenus de location, revenus d'activité, représentent 7 % les subventions 5 % et les paiements de l'annuel de taxes, qui sont les compensations que l'on reçoit, entre autres pour les écoles, qui représentent 1 % Quand on regarde la provenance de nos revenus de taxation en 2023, comme mentionné précédemment, ça représente 63 % de nos revenus totaux. Donc, la taxation résidentielle représente une bonne partie de nos revenus, avec 75 % Le non-résidentiel, 7 % donc tout ce qui est commercial, industriel. Puis, la taxation agricole, 13,3 %, terrain vague, 1 % 6 logements et plus, 3,7 % Au niveau des dépenses, les principales variations au niveau des dépenses sont l'augmentation de nos quotes-parts, les salaires et les déductions à la source, l'augmentation due au coût de l'essence et la bonification de nos services aux loisirs. Donc, si on regarde les dépenses plus en détail, à l'administration générale, une hausse de 284 000, notamment due à l'ajout d'employés en juin 2022. Donc, le budget était basé seulement sur une demi-année. Donc, ça a un impact en 2023. L'augmentation est aussi due à l'augmentation des déductions à la source, à l'ajout de mandats de services professionnels et puis finalement, l'augmentation de la quote-part versée à la CMM. Au niveau de la sécurité publique, donc, une augmentation de 309 000 due majoritairement à l'augmentation de la quote-part payée à la régie de police. Pour le transport et réseau routier, donc un ajout de 135 000 dû à l'augmentation de la quote-part versée à la RTM et à l'augmentation du coût de l'essence. Pour l'hygiène du milieu, une hausse de 310 000 $ notamment pour l'augmentation du coût de l'eau et l'augmentation des quotes-parts versées à la MRC pour les collectes de matières résiduelles, recyclage et organique. Au niveau des loisirs et de la culture, une augmentation de 130 000 $ qui s'explique par l'ajout de personnel à la bibliothèque afin de bonifier l'offre de services, la révision de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, la bonification du soutien financier à la Maison des jeunes, puis à l'entente avec la Ville de Saint-Constant pour l'utilisation de leur complexe aquatique. Puis finalement, le remboursement de la dette, une hausse de 72 000 $ pour le financement et le refinancement de divers règlements en 2022 et l'ajout de nouveaux financements en 2023.
quand on regarde l'évolution de notre taux de taxation entre 2022 et 2023, vous constaterez que tous les taux ont augmenté. C'est une augmentation totale de 3,5 % comparativement à 2022. Au niveau de notre tarification, les tarifs ont, quant à eux, augmenté de façon significative en fonction des coûts réels dépensés. Donc, les coûts des collectes ayant explosé, on a dû ajuster nos tarifs en fonction des coûts que nous payons. Donc, si on regarde la réserve infrastructure de rue, donc on passe de 2 à 3 sous par 100 $ d'évaluation. Ça nous permettra de faire plus de travaux de réfection en 2023. Les coûts reliés à l'eau potable ont augmenté de 8 %. C'est pourquoi le tarif résidentiel passe de 214 à 270 $ au niveau 214 au niveau résidentiel, 270 au niveau commercial. La tarification des piscines passe de 25 à 35 $ Pour ce qui est des collectes, à l'exception du recyclage qui augmente de 1 $ pour un total de 81 $ en 2023, les matières résiduelles et organiques ont considérablement augmenté, donc une augmentation des coûts de 51 % au niveau des collectes des déchets et de 63 % au niveau de l'organique. Les tarifs pour les matières résiduelles passent donc à 196 $ et celui des matières organiques à 106 $ Et finalement, une augmentation du tarif égout à 164 $ pour refléter l'augmentation des coûts reliés aux eaux usées. Donc ici, nous avons le compte de taxes de la maison moyenne qui est évaluée à 388 500 $ Donc, tel que mentionné précédemment, les taux de taxation augmentent de 3,5 %, ce qui donne une hausse de 96 $ pour la taxation. Nous avons aussi la tarification pour refléter l'augmentation du coût de la collecte des matières résiduelles, du recyclage et de l'organique, ainsi que de l'approvisionnement en eau et l'égout. Donc, une hausse de 133 $ pour la tarification, sur un total de 267 $ d'augmentation pour le compte de taxe moyen, ce qui veut dire que 50 % de l'augmentation du compte de taxe est due, dans le fond, à l'augmentation des tarifs. Donc, si on n'avait pas une augmentation de nos tarifs, on serait seulement à une augmentation de 3,9 % au niveau du compte de taxe. Puis, pour ce qui est du tarif de réserve infrastructure de rue, il passe de 2 à 3 sous par 100 $ pour une hausse de 39 $ Donc, le compte total de la maison moyenne est maintenant à 3 685 $ soit une augmentation de 267 $ Ça a plaisir. De proposer avant, non? Non. OK, c'est bon. D'abord, je dois vous... Jean-Noël Demers, le Georges-Henri, et non pas Noël. Félicitations, vous avez battu toutes les villes alentour au niveau de l'augmentation des coûts. La plupart, Longueuil se tenait le plus haut à 6 %, à 7,8 vous battez tout le monde. Vous savez qu'à 7,8, ça veut dire que c'est 14 % que vous venez chier dans nos poches, parce que c'est 7,8 sur notre clair, ça, dans notre poche. Quand vous dites que vous faites demander 7,8 %, là, c'est en réalité, c'est 14 % que vous venez chercher sur notre total dans nos poches. Je pense que quand on fait un budget, si on n'a plus les moyens d'augmenter les ressources, il y a une autre manière de contrôler ça, c'est de couper les dépenses. Puis, dans les dernières années, je pense que le nombre de personnes que vous avez engagées versus les services qu'on a, je pense que vous avez dépassé un petit peu ce qui était la capacité de la ville, ce qu'on peut appeler un village avant, de payer à ce moment-là. Je pense qu'on est rendu à un point où, là, à 7,8, là, vous battez tous les records de tout le monde alentour. Je ne connais pas personne qui en a autant. Puis je regardais dans votre question tout à l'heure, quand vous parlez du fameux... la fameuse municipale, le bureau, pas le bureau, le garage municipal, vous, 50 % d'augmentation... Vous n'allez même pas en consultation savoir, on va faire une nouvelle demande, savoir si ça coûte 50 % de plus, passer de 9 millions à 15 millions pour bâtir un garage. Y a-tu plaqué or? Y a-tu des décorations spéciales?
50 % dans l'espace d'un an, là, c'est quand même pas mal, ça. 5 millions de plus pour un garage. Il y a peut-être lieu de couper un petit peu dans le garage, comme ça, on pourrait peut-être couper un petit peu aussi dans vos dépenses, qui ferait qu'on n'aurait peut-être pas 7,8, mais peut-être un 4,5 qui serait plus normal dans cette période d'inflation. Parce que l'inflation est de 7 %. On n'est pas obligé d'accoter l'inflation, mon cher monsieur le maire. C'est pas normal. Je comprends votre question. Pour la question du garage municipal, peut-être monsieur Lelief pour vous répondre après. C'est sûr que les coûts, je comprends que vous dites l'inflation, mais il y a les coûts de l'écoport qui augmentent beaucoup. Les prix pour bâtir des choses, ils ont explosé. Si on l'a vu dernièrement, on est allé en appel d'offres, puis ça a explosé. C'est pour ça que, d'après moi, c'est pour ça qu'on se garde quand même un coussin, parce qu'on est réaliste. Je comprends que vous dites qu'on peut couper, mais les mêmes choses qu'on voulait l'année passée, ils ont monté de 3-4 millions cette année. On est en retard d'un an ou deux, monsieur. Quand j'ai pas moyen de faire une rénovation sur ma maison, là, parce que c'est trop cher, que le 2 par 4 se vende le piastre, ben, j'attends pas de faire la rénovation. Il y a des rénovations, des projets qu'on peut peut-être mettre sur la place pour éviter des augmentations de même. Vous demandez quelque chose à la population, et la plupart n'ont pas eu dans leurs augmentations de salaire. Les retraités comme moi, on n'a pas eu ça, 7,8 % d'augmentation. Claire, n'oubliez pas. Ça m'en prend 14 % pour payer votre 7,8. Je n'ai pas eu 14 % d'augmentation dans mon salaire, moi, là. Mais je suis sûr que la plupart des gens ici n'ont pas eu 14 % d'augmentation. Si vous parlez aux personnes qui travaillent aux travaux publics, au garage municipal, ça fait déjà plusieurs années qu'on reporte ce projet-là. Oui. Je sais que ça arrive à un mauvais moment, où ce que l'inflation monte et puis tout arrive après la pandémie. Mais ça fait déjà plusieurs années qu'on reporte ce projet-là. Vous pouvez demander aux travailleurs des travaux publics puis du garage municipal. Oui, mais monsieur le maire, 50 % d'augmentation, ça veut dire ça. On demande une réévaluation des coûts, on demande un autre contracteur de venir. Les coûts, vous parlez des coûts de construction, actuellement, ils sont à la baisse. Le prix du 2 par 4, les matériaux ont baissé. Alors peut-être ça va coûter un petit peu moins cher. Couper 2 ou 3 millions là-dedans, ça veut dire couper un petit peu moins dans les augmentations comme ça. On va en parler au triennal après. Plus oui. C'est, on a le triennal qui est juste après. Si vous voulez, on pourrait vous répondre à toutes ces questions-là. J'ai très confiance de M. Lelief qui a fait le maximum pour baisser ça. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si on n'a pas les moyens de faire ce qu'on veut, on le met de côté et on attend. Parce qu'il y a un moment donné, quand on n'a pas les moyens de s'acheter un nouveau char, on garde le même pour faire des réparations. Parce que présentement, le garage municipal n'est pas conforme. Les employés, ils travaillent, mais en réalité, là, il n'est pas conforme, le garage, pour qu'ils travaillent adéquatement dedans. Fait que c'est un gros problème. Bon, un garage de 15 millions, M. le maire, là, ça commence à être un maudit beau garage, ça, là. Je ne sais pas, mais vos 15 millions, vous bâtissez des châteaux. On va en reparler, si vous voulez, au triennal, là, on va... Je vais répondre tantôt, hein, oui. Martin. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le budget? Ça concerne seulement les taxes présentement, là? Ça comprend... Oui, là, c'est les questions pour le budget. Ah, c'est juste le budget, c'est pas les questions pour le général. Là. C'est parce qu'on a mis de côté la séance ordinaire okay. pour faire la séance extraordinaire. Ça veut dire que j'aurais pas le droit de poser de questions tantôt non plus. Oui, on va revenir avec la période okay, de questions bon, tantôt. Si on est dans les taxes, je suis un petit peu d'accord avec monsieur. Moi, je suis depuis 1982. Je suis né à Saint-Philippe parce qu'à l'époque, les intérêts, les hypothèques, c'était à 18 %. C'est pour ça que j'achetais qu'une maison mobile en 82. Parce que j'avais pas le moyen de m'acheter un bungalow à 18 %. C'était moins cher de taxes que partout ailleurs, que mes parents, mes frères et sœurs, partout s'y habitaient. Présentement, je suis toujours dans la même maison mobile, puis je paye plus cher de taxes que tout le monde dans ma famille. Longueuil, Sainte-Julie, Saint-Édouard, c'est moi qui paye le plus cher de taxes que tout le monde, puis je suis le seul à avoir une maison mobile. Pas encore avec un fossé en avant, puis j'ai pas de trottoir, j'ai pas de piste cyclable, j'ai rien. Puis pourtant, on n'avait pas beaucoup de résidents avant, parce que là, c'était des maisons mobiles avec des grands terrains. Là, les maisons ont poussé partout, des taxes, en veux-tu, en v'là, j'imagine, d'avoir de la belle argent qui doit rentrer quelque part. Comment ça se fait qu'on n'arrive jamais?
Moi, je comprends rien. Il arrivait avant avec presque pas de taxes qui rentraient en budget. Là, les maisons, ça l'a doublé pratiquement. Puis non, on n'a jamais assez. Je comprends pas tous les chiffres, mais je regarde mon compte de taxes versus ce que je payais avant, puis versus ceux que je connais. Tout le monde n'en revient pas. Ben voyons donc, tu payes bien trop. Là, je vais payer en haut de 3 000, ben en haut de 3 000 piastres de taxes. Ça m'a coupé une maison mobile. Voyons donc. Il n'y en a pas un qui paye le prix que je paye. Je comprends pas. Puis ils ont des trottoirs, ils ont des pistes cyclables, ils ont tout ça. Mais si on recule les années 82, oui. On faisait pas partie de la CMM, il n'y avait pas d'MRC. C'était la Sûreté du Québec qui nous desservait, c'était pas la police de Roussillon. C'est sûr qu'aujourd'hui, en 2022, on a beaucoup d'attributions qui viennent de la CMM, de la MRC, de la police de Roussillon. Ça veut pas dire que la police nous coûte très cher cette année. On peut pas geler les taxes ou les baisser. On a une augmentation juste de la police de l'ordre de 40%. M. Lelièvre peut me... Pour la ville, ça représente 13,4%. 13,4% pour la ville totale, OK. Sinon, c'est 40%, mettons, total, mais... Mais la police, tout le monde en paye de la police. Les autres villes aussi payent de la police. Oui, mais c'est on a beaucoup plus de services oui. qu'avant. OK. Avant ça, la SQ, on la voyait une fois de temps en temps. Là, la Roussillon, on la voit beaucoup parce qu'elle donne beaucoup de tickets. Hein? On l'entend, elle donne beaucoup de tickets. On entend... En 82, quand je suis arrivé, je payais 230 de taxes annuelles. Municipal, à part de 70 scolaires. Ça, c'est en 82. Là, je paye en haut de 3 000. J'avais même appelé pour contester, pour savoir comment ça se fait. Puis le comptable, là, je sais pas, de la ville, me rappelait, puis il me dit, vous êtes chanceux. Parce que je regarde votre dossier, là, puis vous êtes même chanceux de payer pas plus cher de taxes que ça. Voulez-vous vraiment qu'on rouvre votre dossier parce que vous allez être surpris? Puis, ben voyons donc. Fait que, parle pas parce que ça va être encore pire. Puis là, il m'a même dit, savez-vous quoi? On appelle, parce que j'ai dit, ça n'a pas donné une maison mobile, puis il dit, on appelle ça, monsieur, l'expropriation légale. Il m'a répondu ça, le comptable de la ville, puis là, j'ai raccroché, j'ai compris. J'étais pas là dans ce temps-là. Mais non, mais ça quand j'ai parti mon garage, j'ai commencé à 36 $ de l'heure, puis on est rendu qu'on charge 90. J'ai commencé en 94, j'ai parti mon garage en 94. Le litre d'essence en 82 était peut-être 50 cents. Là, il est rendu pas loin de 1,80. Il baisse, là, mais en tout cas. Là, il baisse. Oui. Mais en tout cas, on a vu. Baisser vos taxes, c'est la même chose que le gars, c'est mais ça, c'est pour toutes les villes, ça. L'essence a monté pour toutes les points à Saint-Philippe, partout. On ne peut pas dire que l'année prochaine, les taxes ne baisseront pas, là. Oui, ils vont monter encore parce que les évaluations vont monter. Ouais. L'évaluation des maisons triennales vont monter, donc ça va avoir encore de l'augmentation de plus. Ça, c'est pas l'année prochaine, M. Jean-Noël. Ça va être une autre année. On va l'avoir quand même toutes les années pareilles. Mais je comprends. L'inflation touche tout le monde. Elle touche tout. Là. L'épicerie touche l'essence, ça touche la ville aussi, là. Notre diesel, mais qu'on déneige cet hiver, le diesel va nous coûter plus cher. Le chauffage d'un garage, d'un bâtisse municipaux va nous coûter plus cher. Oui, mais tout ça va coûter plus cher à tout le monde aussi. C'est pas juste à la municipalité que ça va coûter plus cher. Nous autres, on est obligés de payer la même chose que vous, M. le maire. C'est pas une question, monsieur, vous posez. Pardon? Vous vous posez une question. Bien, je demande comment vous pouvez justifier ça. Peut-être que vous avez trop de personnel. Combien vous êtes rendu d'employés dans la ville de Saint-Philippe? Je ne sais pas par cœur. Ah, comment ça, vous ne savez pas ça? Vous êtes le maire. Vous deviez savoir cette information-là, monsieur le maire. Voyons donc. Ben, tant qu'à vous dire quelque chose de faux, j'aime autant vérifier la vérité, la bonne, le bon nom. Vous avez combien d'employés exactement? Combien de travaux publics vous avez mis depuis les dernières années? Je peux vous revenir avec ça, monsieur. C'est à Saint-Philippe qu'il y en a dans toutes les municipalités alentours par emploi, par 100 habitants. En tout cas, je reviendrai pour les autres questions plus tard. Si oui, il va y avoir une autre période de questions. On va l'attendre, notre période de questions. Merci. On tombe tout de suite au triennal, on approuve. L'adopter. On l'adopte, c'est ça.
Fait que, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du budget pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023? Il est proposé d'adopter tel que présenté le budget de la Ville pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 au montant de 16 983 716, dont une copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Qu'un document explicatif du budget soit distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la Ville. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.2, adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2023, 2024 et 2025. Pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation des années 2023, 2024 et 2025, M. Martin Lelièvre, directeur général, présentera les projets planifiés en 2023 et suivra une période de questions du public. Globalement, la programmation du PTI annonce les projets à venir et concrétise la planification des travaux sur notre territoire en s'assurant d'avoir établi les scénarios de financement requis. Ceux-ci sont tangibles, concrets, ils viennent augmenter la qualité de nos milieux de vie. Ils offrent des espaces de divertissement et de plein air, ce sont des aménagements sécuritaires et interconnectés. Ils répondent aux besoins que vous nous avez exprimés. À l'automne, la Ville a amorcé la réfection complète du parc des Aubépines. Il s'agit d'un projet de 1,6 million. Les travaux s'échalonneront jusqu'au printemps 2023. La Ville a également déployé les travaux de la phase 1 pour l'implantation de la signalétique sur son territoire. D'ailleurs, de nouvelles affiches sont déjà visibles à l'entrée de la passerelle et d'ici la fin de l'année, des entrées de ville, des identifications de parcs et de bâtiments seront installées. Les écrans numériques seront ajoutés au printemps et la Ville poursuivra l'implantation d'éléments visuels dans les prochaines années. Au printemps, les travaux s'amorceront pour l'aménagement d'un trottoir sur la route Édouard VII entre les rues Vézina et Perron, ainsi que d'une piste cyclable entre les rues Perron et Deshommes-Ouest. Ce projet de 417 000 $ constitue la phase 1 pour l'aménagement de corridors de déplacement actifs sur la route Édouard VII. Nous vous donnerons plus de détails sur les autres tronçons dans quelques minutes. Aujourd'hui, la Ville de Saint-Philippe adopte le projet triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025. Il s'agit de 53 projets d'investissement que la Ville planifie afin d'améliorer ou d'entretenir ses actifs et son réseau local, ou encore pour développer et offrir de nouveaux services. 2023 marquera le début de certains de nos grands projets tels que la construction des ateliers municipaux et le prolongement des réseaux d'égouts et d'eau potable sur la route Édouard VII. De ce fait, vous entendrez de plus en plus parler du programme de développement des infrastructures. À cet effet, la Ville a reçu les autorisations ministérielles requises pour amorcer les travaux. Plusieurs annonces suivront à ce sujet au cours de l'année 2023. Je vous invite à suivre le site Internet de la Ville, ville.saintphilippe.quebec/infra, pour obtenir les détails et les mises à jour. L'ensemble des projets actifs ou en préparation aura des retombées tangibles sur la charge financière des citoyens de Saint-Philippe, sur un horizon de quelques années. Ces investissements réalisés aujourd'hui profiteront au développement de la Ville, à la croissance de la richesse foncière et l'ajout de services municipaux. Notre Ville est en mouvement et se renouvelle et s'embellit. La programmation complète des projets sera disponible sur notre site Internet dans les prochains jours. J'inviterai M. Lelièvre à présenter les détails du programme. Merci et bonne soirée. M. Lelièvre. 1, 2. Oui. Testing. Bonsoir tout le monde. On va saluer également les gens qui vont nous regarder en vidéo. Vous voyez,
Je vais essayer de résumer, parce que lire un triennal, c'est un peu plate. Je vais essayer d'y apporter une forme d'animation et de vous présenter ça en cinq grands projets. Les bâtiments, les équipements, les infrastructures, les parcs et l'aspect informatique. D'entrée de jeu, parce que les gens vont voir des chiffres, là, il y en a qui vont sursauter sur leur chaise. Mais le triennal pour les trois prochaines années, ça représente 122 millions. Du 122 millions, vous savez que la loi oblige les municipalités à produire un programme triennal. L'ensemble des projets qui sont inscrits dans le triennal sont présentés au fur et à mesure aux membres du Conseil lors de l'année, exemple dans 2023. Chacun des projets est étudié, même s'il est adopté ce soir. Il n'y a aucune départ sur aucun projet qui est entamé tant que le Conseil n'a pas pris la décision de voter les sous nécessaires et d'accepter le projet. On ne parlera pas d'une wish list, là, mais c'est quand même une planification qu'on doit faire dans le monde municipal. Les ateliers municipaux, pour répondre aux interrogations qu'il y a eu tout à l'heure. Le projet, on avait un règlement d'emprunt à 9,7 millions qui avait été accepté. Vous savez que ce projet-là, ça fait au moins deux ans qu'on travaille sur ce projet-là. Et ce que M. Marais mentionnait tout à l'heure, effectivement, que le bâtiment est hors norme. D'ailleurs, on a eu des avis d'ingénieurs et des aspects légaux. Il fallait absolument passer à la construction d'un nouveau bâtiment. Dans l'estimé que vous voyez à l'écran, il faut comprendre qu'on a été un peu échaudé lorsqu'on est allé en appel d'offres pour la construction de l'usine. Nos estimés étaient à 24. Le plus bas soumissionnaire conforme est sorti à 38. On a tenté de se prémunir dans ce projet-là au niveau de la surchauffe du marché. On va aller en appel d'offres en janvier. Et à l'intérieur du 14 800 000, il y a 1 600 000 là-dedans de surchauffe du marché. Est-ce que ça va donner ce montant-là? Est-ce que les soumissions vont sortir un peu plus basses? Est-ce qu'elles vont sortir à 11, 12 millions? On ne le connaît pas. Vous avez raison tout à l'heure que les prix du matériau ont descendu. On verra bien, lorsqu'on va aller en appel d'offres, quels seront les coûts. Pour rassurer tout le monde, pour ceux qui s'en souviennent, la Ville a émis un communiqué il y a plusieurs mois que ce bâtiment-là s'autofinancerait. Et de quelle façon qu'il s'autofinance? C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune taxe chargée aux citoyens dans ce projet-là. De quelle façon? D'une part, on va recevoir une subvention. On a eu l'autorisation du MAMH d'avoir une subvention de 3,9 millions. Deuxièmement, pour ceux qui s'en souviennent, la Ville, en 2016, a procédé à l'achat des terrains de M. Porco, au 1100-Édouard VII. Et on est on a une promesse d'achat qui est rentrée à la Ville. Et ce terrain-là va se vendre à 8 200 000. On prend le 8 200 000, on l'additionne au 3 900 000. On a déjà rendu un bon montant. Deuxièmement, les revenus de taxation. Parce que le promoteur qui achète ce terrain-là, il investit un bâtiment de 30 millions. Avec le terrain qui va avoir une valeur de 10 millions, on se ramasse donc à une évaluation globale de 400 millions, ce qui va rapporter à la Ville 600 000 de taxes par année. Alors, ce que je peux vous confirmer ce soir, et le Conseil est au courant de ça, ce bâtiment-là va s'autofinancer, donc il n'y aura aucune taxe municipale associée au nouveau bâtiment. La superficie, vous les voyez, les chiffres, là, on parle d'une empreinte au sol de 19 000 pieds carrés, des espaces verts de 7 800 pieds carrés, la zone d'entreposage de matériaux, c'est pas inscrit là, mais c'est plus ou moins 3 500 pieds carrés. Donc, je crois que c'est un beau projet. Les gens ont travaillé très fort avec les architectes et les ingénieurs. Et, comme je vous mentionne, il n'y aura aucune taxation là-dessus. Donc, si vous n'êtes pas inquiet, vous êtes peut-être taxé ailleurs, mais pour l'instant, là-dessus, il n'y aura aucune taxe municipale sur votre compte de taxes pour les ateliers municipaux.
Prochain projet, réfection de rue. Vous savez que la ville, puis M. Campbell tout à l'heure, c'est le secteur de maisons mobiles est en réfection. On requalifie un peu partout. Et les rues ont été passablement endommagées, entre autres à cause des coupes d'eau. On a un projet de travail depuis longtemps à revoir les rues Bernard-Lucien-Denon. Je sais qu'un petit comité de citoyens qui a été formé sur chacune des représentants, je pense sur chacune des rues, qu'on va rencontrer avec la conseillère et M. le maire là-dessus pour leur présenter le concept. On a eu ce qui est un peu triste dans tout ça, c'est que lorsqu'on fait nos demandes de subvention, mettons que ça fait deux ans et demi que la subvention a été demandée avec un montant X, on sait qu'aujourd'hui, les coûts ont augmenté sensiblement. La subvention ne change pas. C'est le même montant qu'on va recevoir. Pour ce projet-là, la date qui est estimée à 4 millions, à l'époque, estimée à 4 millions, on va revoir, et à savoir, la ville va dépenser 4 millions. Il faudra revoir si on priorise peut-être deux rues sur trois. Le concept qu'on vous montre à l'écran, exemple, c'est le concept ça, de la rue Bernard. Alors, vous voyez en haut, dans le coin droit, c'est actuellement, et ce qu'on prévoit en bas, donc c'est une meilleure utilisation de la chaussée avec une bande de protection et au niveau du pluvial, il va y avoir de chaque côté de la rue, dans le langage scientifique, le génie appelle ça des noues, mais il n'y aura pas de pluvial au centre de la rue, mais c'est des conduites de chaque côté. Donc, ce qui va permettre, je pense, un usage beaucoup plus intéressant pour les gens qui vont fréquenter, qui habitent ce milieu-là. Il n'y aura pas de pluvial. C'est-à-dire que le pluvial de chaque côté, c'est dans le fond, c'est les fossés qui sont remplacés par des conduites et au-dessus, c'est une couche de gazon. Donc, on ne les voit pas. Okay, donc, puis il y a des drains à temps d'extrémité. Parce qu'il parle des égouts pluviaux, en gros, c'est dans mes questions. Bien, il n'y aura pas des égouts, comme vous disiez la dernière fois, là, comme en ville, là. Non. Oui, voilà. Non. C'est bon? C'est impossible qu'il y ait plus d'argent. Oui, non, je vais vous répondre tout à l'heure. On va faire la période de questions après les explications de M. Delière. Alors, ce projet-là de 4 millions, on reçoit 2,3 millions de subventions. Et on travaille très, très fort là-dessus pour essayer de diminuer le plus possible les factures concernant nos projets. Le prochain tronçon, d'ailleurs, de nombreux parmi vous qui l'ont utilisé dernièrement depuis que le pont Monette est fermé. Alors, lorsque tu te promènes entre le camping Saint-André et les mythes de Saint-Mathieu, on n'est pas dans un champ de mine, mais mettons que la route est quelque peu carotteuse. Alors, on a eu une subvention de presque 700 000 pour refaire cette section-là, qui est plus ou moins un kilomètre, entre les limites de Saint-Mathieu et le camping Saint-André, pour un coût estimé à 1 million 53. Mais je pense qu'on vous le mentionne, puis je vais répéter là-dessus, c'est important. Ce sont des estimations. Quand on voit un appel d'offres, des fois on a des surprises, des fois on s'approche du prix. Éclairage de rue. Je pense que c'est une problématique importante dans certains secteurs de la ville, l'éclairage de rue. Et pour, embellir, entre autres, lorsqu'on parlait tout à l'heure de la rue Bernard-Lucien-Denon, ce sont trois tronçons de 400 mètres. Donc, on se rend jusqu'à la rue Benoît dans un premier temps. Et ce qui est prévu actuellement dans les plans, c'est 13 feux de lumière sur chacune des rues. Actuellement, il y en a un et demi. Fait qu'on va essayer de monter, on va essayer de se rendre à 13 dans chacune des rues. C'est un peu l'objectif. Le projet qu'on va entamer ici, c'est sur les rues Gaulle de France et Rémiard. Il y a une politique à la ville au niveau de la tarification du partage des coûts. Dans ce projet-là, dans l'ensemble du secteur de requalification pour l'éclairage, le ratio va être 75-25. C'est-à-dire 75% payé par la ville, 25% payé par le résident. Ce qui représente environ, tout dépendant, actuellement, ce qu'on calcule, autour de 115 $ pour coûter aux citoyens. Le reste
et assumé par le Fonds général. Programme de développement des infrastructures. Ça fait longtemps qu'on en parle. On en parle depuis 2016. M. le maire a mentionné tout à l'heure qu'on a eu l'autorisation du ministère de l'Environnement pour faire nos travaux. On est allé en appel d'offres et concernant les travaux civils, donc le prolongement des égouts et d'aqueduc, station de pompage, chanceux, d'ailleurs, c'est les premiers documents qu'on a ouverts, on était à 1 million en bas des estimés. Je trouvais ça drôlement intéressant. Moi, je suis missionnaire, toujours le meilleur. Non, mais lui, d'ailleurs, les soumissionnaires qu'on a reçus, c'est tous d'excellents soumissionnaires en passant. C'est Civil Pro qui a le contrat qu'on a donné à la dernière assemblée. Un peu après, on a ouvert le dossier de l'usine. Alors, nos estimés étaient à 24 et ça a sorti à 38. De même temps qu'on a rentré un chiffre à 48. Principalement, les coûts, il y avait l'électricité qui était importante, l'armature qui était très élevée, le béton. Fait que donc, on a rejeté les soumissions. On travaille fort. Le politique et l'administratif pour aller chercher de l'argent à Québec pour nous aider à financer cette usine-là. Donc, on s'est donné un délai entre 12 et 18 mois là, pour aller chercher les sommes nécessaires qui manquent pour financer l'usine. Alors, les tronçons qui vont débuter en janvier, dans le fond, ce qu'on fait, c'est le tronçon 3 et 7. 3 étant la station de pompage et la conduite de refoulement qui se fait, pour ceux qui connaissent bien Saint-Philippe, là, beaucoup mieux que moi encore, où M. Campo habite, là, presque en face du 15 sur 15, la cour à scrap, une maison dans le fond. Donc ça, ça a été acquis par un promoteur. Il va y avoir la station de pompage qui va se faire là. Et on amène les conduites jusqu'aux limites de la prairie. Si je ne me trompe pas, Tania, tu me corrigeras. Normalement, on devrait faire ces travaux-là à l'intérieur de la période de 12 mois, donc jusqu'en 2023, on devrait avoir terminé. Il va y avoir une rencontre de citoyens en janvier pour présenter ce projet-là, parce qu'il y a quand même 28 résidences sur ce secteur-là qui vont pouvoir bénéficier des services. Également, tout le secteur industriel va avoir des services qui vont se rendre jusqu'aux limites de la prairie. Le parc linéaire, ça va faire au moins 4 ans qu'on en parle. On a eu beaucoup de demandes que tu as adressées au conseil du prolongement d'un réseau cyclable. Et actuellement, vous savez que notre réseau cyclable, il y a des tronçons qui sont faits, il y a d'autres tronçons qu'on va faire, que je vais vous parler après ce projet-là. Et nous sommes en train de finaliser les acquisitions de l'eau pour permettre la construction du parc linéaire. La partie en rouge était la partie, vous voyez le lien, c'est que Claudie vous montre, était le lien qu'on avait privilégié au tout début, mais à cause de certaines contraintes, plutôt à partir de Pochartrand, on va prolonger la piste jusqu'à l'entrée de la maison de M. Godin pour traverser deux fois la rivière et revenir au coin de Saint-Guinet. Ça, c'est des demandes, en tout cas pour ceux qui sont... Ça fait longtemps qu'ils sont au conseil, là, ça fait des années que c'est demandé. Ce projet-là est estimé à 4 millions et on a une subvention d'un organisme que je n'ai pas le droit de nommer parce que l'entente n'est pas signée, mais on a une aide financière de 1,9 million de confirmée. Mais ma collègue aux communications ne veut pas que j'en parle, que j'en parle pas, on a on n'a pas le droit de dire l'organisme. Mais on peut dire qu'on a une subvention, par exemple. Le projet suivant, piste multifonctionnelle. Question un peu que vous avez posée tout à l'heure, M. Demers. On devait, en 2022, faire des travaux entre Vézina et Perron et de Perron à Des Ormes. À cause de certaines problématiques, entre autres avec Hydro-Québec, qu'ils ont demandé de retarder, parce qu'Hydro-Québec avait des travaux à faire pour nous permettre d'aménager la piste. L'entrepreneur a accepté de reporter les travaux en 2023.
Donc, ce qu'on fait comme travaux, c'est de Vézina à Perron, c'est le prolongement du trottoir, et de Perron à Desormes, c'est une section pour la piste cyclable qu'on va prolonger jusqu'à Desormes. Et normalement, on prévoit, je pense que c'est des sous, parce qu'entre Desormes et Croissant du Parc, il y a une autre section qui ferait plus ou moins 400 mètres qu'il faut faire, qu'on pense de réaliser en 2024. Un autre tronçon qu'on veut faire, ça nous est demandé fortement par les citoyens. Vous savez que le projet Deux Rives, où il y a 126 unités d'habitation, sont un peu pris sur une route un peu dangereuse pour avoir accès. Donc, il va y avoir un tronçon de fait entre Sanguinet et la rue des Moissons. D'ailleurs, on ouvre de mémoire, je pense que c'est le 20 décembre qu'on ouvre les appels d'offres pour ce projet-là. Il y a un tronçon qui a été financé parce qu'il y a un programme de développement des communautés qui existe. Donc, c'est la MRC, l'Agence de Québec. On a eu un 130 000, 132 000 de mémoire là, pour financer une partie. On a environ, on reçoit environ 70 000 par année. Donc, on affecte directement à cette section-là de travaux. Ça fait à peu près le tour des grands projets. Ce que je vais vous montrer rapidement, c'est sûr que ça va être davantage détaillé là, sur le site de la Ville. Beaucoup plus en détail, mais j'essaie d'apporter une petite touche là, pour que les gens puissent y comprendre et cheminer là, le fun à soir. Donc, en gros, si on regarde le tableau qui est là, alors les ateliers municipaux, on s'en va en appel d'offres en janvier, on verra bien les prix. Alors, si les prix sont ridicules, on va rejeter les soumissions. Si les prix ont du sens selon nos estimés, on devrait être en mesure de débuter les travaux autour du mois de mai pour une période au moins de 18 mois. Il y a deux projets également qu'on travaille depuis longtemps. Vous savez qu'on a eu quatre signets, hein, c'est comme ça qu'on dit ça, Marie-Josée, quatre signets pour le réseau de la bibliothèque et il y a une demande accrue pour le réseau de la bibliothèque. Donc, en 2023, on va donner des mandats pour préparer un plan fonctionnel, technique, donc définir en gros des besoins pour la bibliothèque. Et également, notre caserne, qui est en piteux état. Et ça, ces projets-là, c'est des projets qui sont subventionnés à une hauteur très intéressante. Je sais qu'au niveau de la bibliothèque, le fédéral, le provincial, chacun peut aller jusqu'à 35 % de chaque côté. Au niveau de la caserne, également, les subventions sont très intéressantes. Jusqu'à 60 % du coût, même si ce sont des 5 %. Et peut-être qu'on va être capable d'annoncer une bonne nouvelle en janvier ou en février, à savoir s'il y a d'autres villes qui veulent se joindre à Saint-Philippe. Mais M. le maire en fera l'annonce en temps et lieu. Mais on négocie avec d'autres municipalités pour la desserte au niveau d'incendie. Au niveau des équipements, je pense que les gens ont peut-être vu actuellement sur notre réseau qu'on fait des travaux à différents endroits. Donc, c'est le plan cyanétique qui est travaillé depuis plusieurs années également, qui est en branle. Donc, il y a des travaux qui ont été faits en 2022, il va y avoir des travaux en 2023. Il va y avoir des écrans numériques à l'entrée de la ville, donc au coin de Catalport et Sanguinet, et également au secteur de Monette et de Doirceau. Également, il va y avoir l'affichage sur les bâtiments et on va identifier nos parcs. D'ailleurs, pour ceux qui sont promenés un petit peu dans la ville, il y a déjà de la cyanétique qui est installée au niveau de la ville. En 2023, avec le conseil municipal, on a un budget de 230 000 de marqués. On verra l'étape 2, quels éléments on mettra de l'avant, soit qu'on revoie la signalisation de toutes les rues, l'identification des bâtisses en porture de rue. Donc, on verra à choisir ces choix-là. Mais également, là-dedans, bon, on voit le remplacement de véhicules aux travaux publics. Il doit y avoir deux véhicules à remplacer à un moment donné. Et différents achats d'équipements qu'on fait pour la ville, soit aux loisirs et aux travaux publics. Au niveau des infrastructures, donc le gros projet, 6 503 000, c'est le 4 millions
pour les rues Lucien et Bernard Deneau et la réfection de la rue Saint-André. Alors, à eux seuls, ça occupe 5 millions de dépenses. Les autres sont des interventions qu'on fait un petit peu partout dans la ville. Et d'ailleurs, vous savez que notre réseau routier est en piètre état. On a fait une étude il y a 4-5 ans. Tu sais, tout à l'heure, on vous parlait, je pense que les gens trouvaient que le 7,8 était élevé. C'est vrai que 7,8, c'est peut-être élevé. Mais juste de passer de 2 sous à 3 sous, ça représente un peu plus que 1 %. Donc, si on n'avait pas fait ça, notre budget serait à 6,7 % d'augmentation. Donc, le sou qu'on rajoute, on n'a pas le choix, là, nos rues, si on laisse nos rues perdurer comme ça, là, ça va vous coûter 2 fois, 3 fois le prix un jour. Donc, on essaie tranquillement de le faire par section, l'aménagement de notre réseau routier. Alors, si on regarde, puis le reste, ce sont les petits trottoirs qu'on peut faire. Entre autres, M. le maire parlait tout à l'heure d'un trottoir. Bon, il y a beaucoup de demandes qui ont été adressées également d'avoir un trottoir sur l'autre côté qui partirait de la rue Perron et qui viendrait rejoindre le centre centre Élodie Bépin. C'est une vieille, c'est un vieux dossier ailleurs. Et pour sécuriser, je pense, les jeunes qui viennent ici au bâtiment. PDI, programme d'infrastructure. Vous savez que le programme d'infrastructure, au total, c'est 65 millions, qui comprend un pont, une usine et travaux civils. En 2016, en juin, même le 16 juin 2016, la mémoire est bonne, on avait rencontré des citoyens à l'église et on leur avait mentionné que ce projet-là serait financé, s'autofinancerait à 100 %. L'objectif est le même. Et on travaille très, très fort là-dessus pour autofinancer ce projet-là. C'est une promesse que l'ancien conseil a faite, que le nouveau conseil a faite. Puis nous, on a tout intérêt à livrer la marchandise, puisqu'on va faire d'ailleurs dans les 12 à 18 prochains mois, travailler très, très fort là-dessus. Alors, le principal projet là-dessus, c'est l'infrastructure au niveau de l'eau 3 et 7 et également l'éclairage que vous retrouvez au niveau des rues. Parc espace vert. Le réseau cyclable, le bouclage, les pistes multifonctionnelles, comme je vous ai présenté tout à l'heure, il va y avoir des sections qu'on va refaire en 2023 pour en faire en sorte d'améliorer la mobilité active dans la ville. Hein, c'est drôlement important. Alors, c'est l'objectif et je sais qu'il y a une demande qui est faite, entre autres par la conseillère, Mme Garand, de s'assurer que Moisson et Bernard ne soient pas oubliés. Merci. Dernier point, je vais passer la parole à ma collègue à côté, sur le secteur d'activité d'ailleurs. Un investissement de 141 300 en 2023, notamment acquisition d'équipements informatiques. On veut se doter d'un portail citoyen. Puis divers équipements là, de climatisation, logiciels de gestion documentaire là, au niveau des archives, puis l'équipement audio-vidéo. On passe maintenant à la période des questions. Vous avez le droit. À une. Vous avez, bien dans le bon conseil, vous avez dit que le projet des égouts, ça peut s'autofinancer. Oui. Vous avez montré tout à l'heure que le projet du garage municipal s'autofinance. Oui. Comment ça qu'on se retrouve avec une augmentation de 7,2 % si tout se refinance comme ça? C'est deux gros projets majeurs. Pour revenir à l'augmentation que M. Martin semblait dire qu'on n'aurait pas tout à l'heure, c'est que là, vous empruntez plusieurs millions. Mais depuis un an, vous avez sûrement remarqué que les taux d'emprunt, là, ils ont passé de 1,5 à peu près à 4,5, 6, 7. Ça n'aurait choix pas d'augmenter. Vous allez augmenter votre dette. Mais vos financements de dette vont remonter aussi. Donc, qu'est-ce qui va encore se retrouver avec la charge de vos financements, de vos dépenses? C'est encore nous autres pour venir se rajouter à tous les projets que vous nous présentez présentement. Donc, c'est impossible qu'on dise que les taux ne remonteront pas encore de 6, 7, 8 % des autres années. C'est sûr qu'on ne peut pas prévenir l'avenir. Non, mais tu comme... tout de suite commencer à couper dans les bonnes places, par exemple. Juste à la... Voulez-vous que je donne un petit peu? Oh oui, allez-y, M. Lelièvre.
effectivement qu'on empruntait à 1,5, 1,8. Le dernier relevant d'emprunt qu'on a fait pour les 5 prochaines années se finance autour de 5,4. On a fait une projection, lorsqu'on présente l'ensemble de ces projets-là, c'est on a établi toute une structure financière à la ville jusqu'en 2039. Et tous ces estimés-là ont été faits. Le dernier estimé qu'on a fait, on a tout mis nos coûts que vous avez présentés ce soir à 5,1% d'intérêt. Et actuellement, même le marché municipal, je pense que ça a descendu un petit peu, parce que nous, on suit au marché municipal avec les obligations, et ça a descendu un petit peu. Alors, tous les estimés qu'on a préparés pour financer ces projets-là sont calculés sur une base d'intérêt de 5,1%. Et on vous le dit, M. Demers, que ce qu'on a mentionné, qui va surtout financer, ne se retrouvera pas sur le compte de taxes. C'est clair. Maintenant, tout à l'heure, Claudie a présenté, elle dit, bon, si, je vous dis, là, si on enlève de 1 sou, qu'on passe de 2 sous à 3 sous pour les infrastructures, si on enlève Candiac, nous a refait une facture de 8% d'augmentation de l'eau. Là. On n'a pas le choix. C'est pas la ville qui augmente son... Nous, Candiac est notre fournisseur en eau potable, alors comme beaucoup de villes, que Candiac fournit, il augmente ses coûts de 8% de traitement d'eau. Alors nous, on n'a pas le choix. On essaie d'autofinancer, donc on transfère la facture. Les services d'ordures, on parlait tout à l'heure de 60% d'augmentation. On n'a pas le choix. Je veux dire, on a à peu près le même... Si on enlève tout ça, là, on enlève la police, on a à peu près le même budget que l'année passée. Puis je vous dis, tous les directeurs, à soir, sont présents dans la salle. Demandez-leur l'exercice budgétaire qu'on a fait avec eux. Puis ils n'ont rien eu. Pas compliqué, là. On a augmenté, c'est sûr, on a augmenté, par exemple, au niveau de l'essence, du diesel, ce genre de choses-là, mais c'est tout. Zéro augmentation. Le taux d'augmentation que vous avez eu par rapport aux taxes, il est de combien? Pardon? Les taxes que vous avez récoltées, parce que dans les deux dernières années, vos taxes sont, vos revenus de taxes, parce que c'est ça qui est la principale source de financement, ont augmenté de combien? Je ne pourrais peut-être pas vous répondre là, sur... Là. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Là. On pourra vous revenir et vous donner le montant exact. On parlait presque d'un million de plus alors quand on regardait le budget. Vous savez, il ne faut pas oublier aussi parler de ressources humaines. Je peux vous dire une chose. Pour avoir travaillé dans plusieurs villes, un, je dois vous dire qu'on a un service de travaux publics, Lean, qui n'est pas du tout en dehors de ce que je peux retrouver, toute proportion gardée. Là. À Delson, à Candiac, à La Prairie. Je regarde proportion citoyen qu'on dessert. Et l'avantage que je peux dire qu'on a, vous avez, les citoyens, pour de tous, à Saint-Philippe, c'est le rendement de nos employés au garage municipal. Moi, j'en suis très, très fier. Et les gens, là, je pense qu'ils ont, je dirais qu'ils ont Saint-Philippe tatoué au cœur. Dans d'autres secteurs d'activité, au niveau des coms, il y a 2 personnes. Les villes avoisinantes ont 4-5 personnes au niveau de communication. Si on compare, par exemple, le service de loisirs de Saint-Philippe avec celui de Delson, allez juste voir à Delson, question comme ressources. Vous allez voir qu'on est la même chose au greffe, on a le staff minimum. Au service technique, ils sont 2. À l'urbanisme, c'est, je pense, c'est l'endroit où on a amené des ressources parce qu'on avait, je ne sais pas combien de dossiers là, qui n'étaient pas traités, peut-être autour de 2000, 2500 dossiers qui n'étaient pas traités, qui n'avaient pas de bon sens. Les dossiers n'étaient pas fermés. Donc, on a réagi face à ça. Puis même le directeur, là, il a même sacrifié sa secrétaire pour le budget 2023. Alors, on a fait de la rationalisation. Regardez, la direction générale, notre secrétaire a quitté en mois de juin dernier. On a besoin d'une, là, tu sais. On ne peut quand même pas passer le balai pour faire des projets. En tout cas, c'est tough un peu. Fait qu'on n'a pas remplacé ce poste-là pendant 6 mois. Donc, on le remplace en janvier. On fait énormément d'économies, le conseil le voit, on travaille très, très fort pour faire en sorte que... Puis on essaie également, tu sais, de travailler sur le développement, parce que une des, je pense, des problématiques à Saint-Philippe, c'est notre richesse foncière. Notre richesse foncière est trop basse. Alors, vous voyez, tantôt, sur les 15% de la taxe est payée par les résidents. L'objectif, vous allez voir, j'ai hâte de voir, là, je ne parlerai pas à leur place, j'ai hâte de voir le budget que va sortir de La Prairie. Les autres aussi,
tu sais, on gelait des taxes à un moment donné, puis à un moment donné, là, t'as plus de développement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que qu'est-ce qui fait en sorte que ça va bien dans un budget, dans une ville? Les droits de mutation et la taxation de ces nouvelles résidences-là. Quand il n'y a pas de développement, d'ailleurs, en mois de novembre, je pense qu'on n'a pas émis, Jérôme, tu me diras, je pense qu'on n'a pas émis un seul permis. Il faut, puis 2023, on le regarde, est-ce qu'il va y avoir une récession? On ne sait pas. On le regarde, nous aussi. Mais il y a des promoteurs, en même temps, qui se sont engagés, qui veulent construire à Saint-Philippe, puis ils veulent investir à Saint-Philippe. Il y a un problème de logement, vous le savez très bien, un problème au niveau locatif. Et je pense qu'il y a un engouement. Saint-Philippe, de plus en plus, se positionne avantageusement par rapport à d'autres villes. On va avoir des infrastructures qui vont nous permettre de rouler durant les 30 prochaines années en traitement d'eau usée. Donc, je pense qu'on est bien parti. Je comprends que ce n'est pas facile, tu sais, d'avoir une augmentation de 7,8 %, qui représente 267 $. Je sais que le gouvernement du Québec tente par différents moyens. Tu sais, il a envoyé des chèques aux gens. Tous les gens qui, je pense, en bas de 100 000 $ ont reçu des chèques. Bon, ça, je pense que ça aide en même temps un peu à compenser. C'est sûr que ces chèques-là, là, ils ne se perdureront pas dans le temps. Probablement qu'ils n'en donneront pas en 2023, en 2024. Mais le coût pour 2022, en tout cas, il est au moins là. Puis nous, je pense que l'objectif à la Ville, puis l'objectif du Conseil qui est là, c'est de diminuer le compte de taxes. Mais si on veut diminuer le compte de taxes, il faut investir pour un jour récolter ça. Parce que si on ne fait rien, dites-vous une chose, votre compte de taxes, là, va être épouvantable. Alors, on essaie de bien penser, de bien planifier la ville, de donner des outils, des infrastructures pour faire en sorte de pouvoir la développer et augmenter sa richesse foncière, autant sur le plan résidentiel, commercial et industriel. Mais comme disait le monsieur tout à l'heure, vous n'arrivez pas grand monde avec les comptes de taxes qu'on connaît actuellement. Que le monsieur paye au-dessus de 3 000 $ pour une maison mobile, je vais payer quasiment 4 000 $ pour ma maison au moins. Je pense que j'aurais des frais pas mal moins élevés si je m'en irais pour la même maison à Candiac ou à La Prairie ou quoi que ce soit. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. On paye pour avoir l'espace. On a un coût à payer pour avoir un espace, c'est-à-dire, je suis en train d'aller chez moi, c'est des cultivateurs, j'espère que ça va être des cultivateurs toute ma vie, mais on paye un peu pour ça, sauf... Demandez ça à M. Trudeau en arrière. Tant que je vais exister, il ne développera pas. Mais moi, avant ça, j'avais plus d'espace pour payer pour faire des taxes, deux petits espaces sur ma rue, puis je paye cher. Mais c'est parce qu'il faut tenir compte de la capacité des gens à payer aussi, parce que c'est des gens qui sont ici, ça fait 50, 60 ans, 70 ans, quoi que ce soit. Ils ont été habitués à avoir une qualité de vie en ayant un compte de taxes qui est raisonnable. C'est pour ça qu'on disait le monsieur, qui s'en vient à Saint-Philippe, c'est une attraction. 90 % de ceux à qui je parle sont emmenés à Saint-Philippe, surtout à cause du compte de taxes et ensuite à cause de l'environnement. Mais là, si vous montez à cause de compte de taxes, et quelque part, vous allez voir qu'il va en avoir pas mal de moins qui vont être intéressés. Ils vont regarder un peu plus. J'en connais juste deux dans ma rue qui sont partis à cause des comptes de taxes. Ils ont dit non, ça n'a pas d'allure. Si on va bâtir à Saint-Hubert, ça lui coûte moins cher à Saint-Hubert pour avoir plus de services. C'est sûr que c'est. Excusez, M. Jean-Noël, oui. M. Damiers. C'est sûr que vous nommez des villes qui ont des grosses, qui ont beaucoup de population, qui ont une valeur foncière énorme. C'est sûr qu'on est, faut pas oublier que Saint-Philippe, on est comme en deux, on n'est plus une petite municipalité, puis on n'est plus une grosse municipalité, on est comme entre les deux. Les citoyens veulent des services, puis ces services-là, ils augmentent à cause de la pandémie, de l'inflation, tout ça. C'est dur pour une petite ville, une moyenne ville comme nous autres d'offrir beaucoup de choses, de faire le trottoir, ça fait longtemps qu'on le demande, ce trottoir-là. Ça fait longtemps que je vois des enfants marcher sur Édouard VII, puis je trouve ça dangereux. On a instauré des stops. Pour faire ce trottoir-là, la piste cyclable, les citoyens veulent avoir des pistes cyclables. On ne peut pas tout faire ça. Je sais qu'on ne peut pas tout faire ça en dedans de 6 mois. On peut, s'il y a des projets qui coûtent trop cher, on peut les mettre de côté. Seulement qu'il y a certains projets que ça fait longtemps que les citoyens attendent. Le garage municipal, ça fait longtemps que les travailleurs y attendent. Le garage, il n'est même plus dans les normes comme on expliquait. Fait que, je comprends que la ville de Longueuil, Candiac, tout ça, ils peuvent baisser leurs taxes parce qu'ils ont un des gros revenus au nombre de populations qu'ils ont. Nous autres, on est comme en transition. Fait que moi... Je comprends que le monde peut trouver que Saint-Philippe, c'est cher de taxes comparé à des grosses villes de même.
Mais ces villes-là, ça fait longtemps qu'ils sont fonctionnels, ça fait longtemps qu'ils ont beaucoup de population, qu'ils ont des revenus de taxes. Pourquoi on compare toujours avec la télévision, Candiac, Brossard, whatever, Longueuil, what? Quand on compare pas des taxes comme Saint-Louis, à vous, allez voir Saint-Louis, ils sont exactement comme nous autres. La même population, le même nombre de mille carrés à entretenir par année, le même nombre de parcs, même peut-être plus que nous autres. Puis eux autres, ils viennent à vous avec un budget d'à peu près 12 millions de venir à vous que l'augmentation des taxes est beaucoup plus raisonnable. Pourquoi qu'on se compare toujours à des villes qui ont des kilomètres de route, alors qu'on ne se compare pas à des villes qui sont comme nous autres? Vraiment, Saint-Denis, c'est exactement comme nous autres. Je connais très bien la mairesse qui était là-bas pour avoir travaillé avec elle. Puis eux autres, ils tiennent compte de ça. Ils n'ont pas 400 charrues et 400 bulldozers ou quoi que ça. Combien vous avez mis juste en investissement de mécanique dans les derniers 2-3 ans? C'est inimaginable. Les rues sont pas mieux entretenues. D'ailleurs, vous le savez, l'hiver passé, vous êtes obligé de venir avec votre propre tracteur pour dévorer notre rue parce que vos employés ne travaillaient pas. C'est-tu normal que pendant une tempête de neige, que les gars passent pas pour nettoyer la rue, qu'on n'était jamais dans ça d'état de neige? Quand ouais, on parle de mesures sécuritaires. Oui, cette journée-là, je me souviens de cette journée-là, il ventait beaucoup, puis ça avait fait des belles grosses lames de neige. Ouais. Tant qu'à faire sortir les employés municipaux, la problématique était juste sur votre rue. J'ai décidé d'y aller moi-même pour aider une citoyenne que je connais, qui est Manon Livernois, pour l'aider parce qu'elle était restée prise là, puis elle m'a appelé. Elle avait on se connaît, puis elle avait mon téléphone. Je suis allé avec mon tracteur. Elle n'était pas pour attendre des heures-là avec son auto qui était pris, puis elle réussit à la déprendre, mais elle n'était pas pour attendre des heures-là. Une petite vérification comme ça, vos employés ne sont pas supposés être payés. Puis pour juste revenir aux villes vite, parce que vous avez mentionné deux villes. Ça fait que c'est pas que je voulais mentionner des grosses villes. C'est parce que vous aviez déjà mentionné la ville de Candiac, Longueuil. C'est pour ça que j'ai mentionné ces villes-là. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le programme triennal ou le budget? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose que la présente séance extraordinaire soit levée à 20. Il faut adopter. Madame Moissier est fatiguée, je pense. Elle va aller se coucher. Mais moi, je vais proposer que le conseil adopte tel que présenté le programme triennal des immobilisations pour les années 2023, 2024, 2025. Donc, copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante, qu'un document explicatif du PTI soit distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la ville. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, loisirs, culture et vie communautaire, il n'y a pas de point. Section 5, services techniques, il n'y a pas de point. Section 7, travaux publics, pas de point. Section 8, section 9, pas de point. Section 6, levée de la séance, au point 6.1, levée de la séance. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose que la présente séance extraordinaire soit levée à 21h15. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette séance extraordinaire.